À chaque récré, le même déferlement de caresses pour Joy, un golden retriever, 30 kilos d'amour et de tendresse. Un petit chien pour elle, pour s'amuser avec nous, on rigole bien avec les chiens. Moi je suis fan des chiens, hein, donc quand j'en vois un, je lui saute dessus, hein, vraiment moi ça me met de bonne humeur. Hein. Depuis 6 mois, dans cet établissement adapté du nord de Sèvres, on expérimente la médiation animale. Une idée de la directrice confrontée à un public en difficulté sociale et éducative. T'en profites un peu là, hein. Ces élèves qui sont toujours un peu tendus entre eux, où le moindre regard, la moindre réflexion est sa part, et bien là ils vont tous être en même temps, même s'ils ne s'apprécient pas les uns les autres, en train d'admirer l'animal, de le caresser, de le commenter, de parler de lui. Une manière aussi de mieux assimiler les leçons. Direction cette classe de 5e, où la mascotte peut circuler librement pendant le cours de français. Faire un livret en fait pour découvrir l'origine des Jeux Olympiques. Donc on va mêler le français et l'histoire, pas mal de lectures. Je pense qu'on apprend plus sereinement et on apprend aussi avec plus de gaieté parce que ça crée un environnement chaleureux et positif en fait d'avoir un animal. Ça leur permet de mettre les idées un peu plus difficiles de leur quotidien ailleurs et de se recentrer sur des choses plus belles, quoi. C'est très rassurant d'avoir un chien à côté de nous, qui nous regarde, qui est à nos pieds. Au moins, ça t'évite d'être en colère, parce que tu peux le caresser et ça te calme des fois. Il sait comment calmer les gens. Pour le moment, 8 chiens appartenant au personnel de l'établissement se relaient. Mais d'ici quelques semaines, ce bébé Golden Retriever va rejoindre définitivement l'institution scolaire. Une pédagogie innovante encouragée par l'éducation nationale. En France, 3 établissements publics se sont lancés dans cette expérimentation.